Et donc on reprend après cette interruption brutale des programmes. Fin de batterie d'un appareil classique. Donc là j'ai évité de faire des conneries au moment du tour de Shinjiro, le héros. Donc normalement le combat devrait se passer de manière plus calme. Je vais pouvoir expliquer un peu plus ce que je n'avais pas dit tout à l'heure. Donc là je reviens pas sur les barres bleues. Vous connaissez le principe maintenant. Donc là il faut surtout pas marcher là-dessus. Avec le personnage de Diana qui consiste essentiellement à soigner, parce qu'il faut savoir que chaque mecha a quand même ses spécificités. Le personnage de Diana par exemple pour le soin ça pose toute une zone entière et pas uniquement en personnage. Le cadrage a chier là. Et en contrepartie son super move n'est pas du tout offensif, c'est le seul dans ce cas là. Donc c'est un personnage plutôt chiant à jouer, le healer quand je fais ça. Mais bon, je vais me contenter de faire des attaques. Alors, au niveau des attaques, par contre, c'est un peu particulier. Donc, je vous ai déjà expliqué le principe des barres bleues. Quand on engage une attaque, on bouffe automatiquement une barre bleue. Mais on peut appuyer autant de fois, on peut appuyer jusqu'à 5 fois pour lancer 5 attaques consécutives. Et donc, faire des dégâts de plus en plus importants. C'est-à-dire, rien ne nous oblige à appuyer 5 fois. On peut appuyer que 4 fois, 3 fois ou 2 fois. Mais forcément, les dégâts seront moins importants. Ça permet une certaine latitude au niveau de... pour gérer les barres bleues, donc on peut attaquer même en faisant des dégâts minimes si nécessaire. Donc là vous voyez aussi ces attaques, malgré tout c'est des attaques de zone, donc c'est pas ciblé sur un ennemi, contrairement à Shinjiro et Gemini. Donc tu vas voir qui est stabilisé. Là je vais pouvoir utiliser la défense, donc défense qui est très utile parce que vers la fin du jeu les ennemis font quand même pas mal de bobos, donc faut faire gaffe. Même si le jeu est pas bien compliqué, faut pas exagérer. L'avantage dessus de Subaru, c'est d'être invisible et de pouvoir passer au travers de n'importe quoi. C'est une capacité qui peut être parfois très utile. Parce qu'il arrivera souvent qu'on soit bloqué par des barrières qu'on peut détruire naturellement, mais c'est toujours un plus de pouvoir passer au travers. Là je vais faire une petite joint attack pour vous montrer ce dont je parlais. Ah, elle a même une attaque, Let Me Help. Ça arrive principalement vers la fin du jeu, quand on fait une joint attaque à deux, et qu'un perso se trouve entre les deux, il arrive que ce troisième perso se pointe comme ça. Donc je devais avoir une logique derrière, mais c'est pas expliqué, disons qu'il y a pas vraiment, le tutoriel est assez évasif sur le sujet. Donc c'est vraiment un petit bonheur la chance, comme il arrivera parfois que... des compétences latentes des personnages se manifestent comme ça en plein milieu du combat sans qu'on sache vraiment pourquoi ni quelles conditions elles sont produites. C'est le cas par exemple du défensif counter, il arrive que quand Shinjiro se fait attaquer, un des personnages féminins arrive et décide comme ça d'un seul coup que non, zéro dégâts pour tout le monde. Bien sûr ça ne marche qu'une seule fois par tour, hein, par combat, parce que sinon c'est pas trop simple. Et on ne peut pas vraiment compter là-dessus, parce que comme j'ai dit, par apparition, pas illogique, mais bon, il est difficile de déterminer pourquoi il est d'abord ou pas. Donc là, c'est Rilka, son avantage c'est qu'elle a une grande portée au niveau du tir. Vous voyez, d'ici, elle peut atteindre cet ennemi, c'est la seule. Donc là, vous voyez, je fais muse avec la caméra, avec B et le stick. Hein. Bon, malheureusement, on sera souvent confiné dans des espaces assez restreints, donc parfois, ça sera assez pénible à gérer. Mais bon, il n'y a pas de vue globale aussi, c'est assez chiant avec la carte, le nombre d'ennemis restants. Bon, on fait avec, mais bon, c'est un genre de petit plus qui aurait été appréciable. Là, je vais attaquer qu'une fois, pour pouvoir rester en position de défense après. Là, oui, je vais appuyer sur B pour faire accélérer, parce que c'est trop lent. On peut appuyer sur B pour faire accélérer n'importe quelle attaque ennemie, voire les zapper complètement. Là, en l'occurrence, le but de la mission, c'est de protéger le théâtre qui se fait attaquer. C'est par ces bestioles qui sont des espèces de bombes. Aïe. Donc là, erreur. La même que tout à l'heure. Alors j'essaie de faire vite parce que j'aimerais vous montrer quelque chose quand même. Oh putain. Bon.
là, je vous ai montré un perso qui meurt, c'était absolument pas prévu. Donc la mort n'est pas inéluctable. Mais par contre, il est définitivement retiré pour le combat, ce personnage, je ne pourrais pas le récupérer. Mais bien sûr, il n'est pas mort, donc je le récupérerai pour la mission d'après. Mais le fait qu'il meure, disons que c'est un gros désavantage, parce que les missions sont faites pour être exécutées avec un tel nombre de personnages, donc si forcément on part avec un handicap dès le début, on aura beaucoup de mal. Puis on perd des points d'infinité avec le personnage qui meurt aussi. Donc c'est plutôt à éviter. Allez, j'aimerais pouvoir illustrer un truc. Encore fait une connerie. Le problème c'est que ces putains de bestioles, mes deux. Voilà, trêve juste, merci. Je fais complètement n'importe quoi par rapport à l'objectif de mission. Où est-ce que je suis là? C'est pénible parce que je commence à être enfermé dans les redondances au niveau du jeu. Allez, fais ce que t'as à faire, on n'en parle plus. Là je suis à la fin du jeu, donc toutes les demoiselles sont très efficaces et très coopératives, mais au début du jeu elles seront un peu plus pénibles et moins efficaces parce que il n'y a pas d'expérience, comme j'ai déjà dû le dire il me semble. Tout est déterminé par les affinités avec les personnages. Plus le personnage principal, Shinjiro, donc, sera lié avec les demoiselles, plus elles seront efficaces en combat. Elles auront des bonus de capacités diverses et variées. Voilà, là, je vais pouvoir illustrer ce que je voulais montrer. C'est ce qu'on appelle l'area move. Parce que les mechas ont la possibilité de se transformer en espèce d'avion de chasse et de passer d'une arène à l'autre. Donc là, en l'occurrence, le but de la mission, c'est de détruire ces machins-là. Là. C'est pas avec un pauvre tir que je vais arriver. Et donc la capacité volante des mechas ne sert pas qu'à faire des area move. Et il arrivera des fois qu'on ait des missions aériennes, notamment contre les boss, où il faudra donc comme y a pas grand chose qui ah c'est l'émotion. Donc, je parlais des missions où on sera tout simplement en mecha version aérienne. Au niveau du gameplay, il n'y aura pas énormément de changements, juste qu'il faudra gérer la notion d'altitude. Là, je vais pas pouvoir vous montrer. Parce qu'il n'y a pas de boss durant cette mission. Et c'est donc sur cette magnifique attaque de Jimmy que je vais vous quitter. Voilà, en attendant peut-être un prochain vidéo test, en complément du test.